Le nouveau président fédéral du PCAP Pointe-Noire, Ben Bozin, et son équipe de 13 membres, ainsi que la commission de suivi et évaluation de 7 membres, ont été présentés ce samedi 29 janvier au cours de la restructuration des instances fédérales du PCAP, le Parti pour la Concorde et l'Action Politique, au siège du parti à l'OCH. Des assises présidées par l'honorable Alexis Ndinga, président national du PCAP. Le fédéral entrant, Ben Bozin, a dévoilé ses axes de travail de ce nouveau mandat. Notre action s'articulera autour du triptyque suivant. Le raffermissement de nos bases et le développement de celles-ci par des campagnes d'adhésion massives et permanentes. L'animation du parti et la visibilité dans tous les arrondissements de Pointe-Noire ainsi qu'au niveau de la communauté urbaine de Tiamansassi. La formation des cadres et militants de manière permanente sous les idéaux et la vie du parti. Quant au président sortant, Geoffroy Dibakala, il a apporté tout son soutien à la nouvelle équipe et souhaité la continuation du travail déjà amorcé. On est ma joie de savoir que notre jeune et glorieux parti essaie, dans la mesure du possible, de relever les défis qu'impose la vie politique. Ces défis nous exigent donc de respecter l'alternance. Prenant acte de cette nouvelle équipe fédérale, le président national du parti, l'honorable Alexis Ndinga, a mis l'accent sur la conquête de nouveaux adhérents au parti. J'invite tous les camarades, partout où vous êtes, dynamisez les instances du parti, allez vers les autres, amenez-nous les camarades qui n'attendent que vous pour venir nous rejoindre. Car juillet n'est plus loin, nous devrions gagner, nous devrions continuer à gagner. La mobilisation vraiment d'être le fer de lance des mois à venir. Si vous voulez que nous puissions avoir des élus locaux et nationaux, il faut que nous levons. Je souhaite vraiment que cette fois-ci, la moisson de nos conseillers municipaux et départementaux ne soit pas en dessous de 30. Signalons que cette dynamique de restructuration des instances du Parti pour la Concorde et l'Action Politique PCAP se poursuit après celle des départements du Niari, du Poul et du Nord du pays.